Salut à tous, c'est Maxime du Purple Giraffe et j'espère que vous avez envie d'apprendre des choses. Parce que je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un an et demi. Le projet en soi, je vais vous en parler, je vais vous présenter quel est ce projet, mais c'est pas le but de ces vidéos. Ce qui devrait vous plaire, c'est comment vous allez pouvoir adapter les conseils que je vais vous donner à votre projet. Ça peut être une application mobile, ça peut être un site web, un service SaaS, un web service, je sais pas ce que vous avez envie de créer. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà des idées et je vais vous aider justement à affiner ces idées et à faire les bonnes étapes. Parce que sur tout ce que j'ai fait pendant un an et demi, il y a des choses que je pense avoir bien fait et ça a bien marché. Il y a des choses que je sais pertinemment que j'aurais pu les faire différemment et que j'aurais dû les faire différemment. Il y a des tâches sur lesquelles j'ai passé trop de temps inutilement et d'autres sur lesquelles j'ai pas passé assez de temps et qui auraient été peut-être plus intéressantes pour la première année. Mais quand on commence, on ne sait pas tout ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos pour vous expliquer quels sont ces points et vous permettre d'optimiser votre temps. Alors, il y aura de quoi ? Il y aura du code. On va parler de code, bien entendu. Vous savez que j'aime bien ça. Mais c'est pas vraiment le but de ces vidéos. On va pas parler que de code. On va aussi parler beaucoup de choix stratégiques, de marketing, de communication, de validation de l'idée auprès des clients. Comment trouver des bêta-testeurs et faire en sorte que la commercialisation se passe bien. Parce que vous pouvez faire le logiciel le plus génial du monde. S'il n'y a personne pour l'acheter, c'est quand même dommage. Donc, je compte sur vous. Commencez déjà par vous abonner. D'ailleurs, je dis ça, mais j'espère que c'est déjà le cas. J'espère que vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Si c'est pas le cas, allez, on va dire que je vous vois pas là. Juste en dessous de la vidéo, vous allez cliquer sur s'abonner, comme ça on n'en parle plus. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, regardez les prochaines dates de diffusion de ces vidéos. Je vais essayer de communiquer le plus possible. Je ferai aussi des lives et je marquerai les dates à l'avance sur YouTube. Comme ça, vous pourrez les programmer dans votre calendrier, ces dates-là. Parce que si vous assistez en live, vous pourrez poser des questions. Et je pourrai vous répondre. Et ça, je pense que c'est le plus intéressant pour vous. Alors, je compte sur vous. On se voit très bientôt. Et en attendant, happy coding !